Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve pour une vidéo unboxing d'un petit colis qui vient d'arriver aujourd'hui. Donc désolé bien sûr pour la qualité de la vidéo, j'ai un souci, ma GoPro veut plus s'allumer depuis une petite heure. Donc je filme avec mon appareil photo. Donc vraiment désolé, c'est une qualité un peu floue sur la petite vidéo, ça peut arriver, mais vraiment désolé. Donc petit colis qui est arrivé, c'est un micro, donc un dictaphone de la marque Sony ICD. Donc je l'ai commandé chez Amazon pour le prix de 130 €. Vous allez me dire oh, c'est cher 130 €, mais si vous voulez commencer des vidéos extérieures ou à l'intérieur, je vous conseille de prendre un micro comme ça. Ça va vraiment vous servir. D'une, il n'y a pas besoin de câble pour le brancher à l'appareil photo, à la GoPro. C'est vraiment efficace. C'est mieux au niveau de la qualité de son. Ça c'est sûr. Bien sûr, on peut pas le mettre dans l'eau. Ça c'est clair. Je préfère vous préciser. Donc voilà le petit boîtier. Mais un conseil, c'est que par exemple, si vous faites une vidéo, il y a une personne qui est à genre 1 mètre de vous, elle arrive à vous filmer avec la GoPro ou l'appareil photo. Vous avez juste le micro, vous pouvez enregistrer votre voix tranquillement. C'est vraiment efficace, vous n'avez pas besoin d'un câble de 300 mètres pour brancher à la GoPro ou à l'appareil photo. Ça, c'est sûr. C'est l'avantage. Après, j'avais vu des vidéos sur YouTube, je l'ai vu, j'ai craqué dessus, je l'ai acheté. Ça fait un peu cher, 130 €, mais. Au niveau du son, c'est vraiment efficace. Vous allez me dire, la boîte elle est abîmée. Oui, en fait, tout simplement, je l'ai déjà entamé. Je l'ai déjà ouvert tout simplement pour faire les réglages parce que c'est vraiment un peu mal fait. C'est pas en français. Et moi, je comprends pas un peu l'anglais. Donc, du coup, j'avais regardé une vidéo sur YouTube comment régler et tout le microphone. Donc, du coup, c'était fait. Donc, voilà le petit microphone. Ça se met sur le t-shirt. Vous avez une petite attache derrière pour le mettre dessus, c'est vraiment assez cool. Il est pas lourd, il est pas gros, ça se voit pas. Vous le mettez à l'intérieur du t-shirt, hop, sur le col, et vous êtes tranquille. Vous pouvez enregistrer votre voix tranquillement et efficacement, bien sûr. On n'entend pas vraiment le bruit du son, du vent. S'il y a des personnes qui crient, tout, on va pas entendre. Bien sûr, s'ils sont prêts, c'est normal, mais des personnes qui sont loin et tout, on va pas les entendre. C'est pas non plus. Ça va pas être non plus un micro-cravate. Un micro-cravate, par exemple, s'il y a un bruit de vent. Devant ou un truc comme ça, ou un avion qui passe, vous allez l'entendre. Après, avec ce microphone, s'il y a un avion qui passe, on l'entendra moins, bien sûr. Donc ici, vous avez des écouteurs qui vont avec, c'est vraiment efficace, et un câble pour recharger, bien sûr, et récupérer le son sur le via au PC. Avec le dictaphone, c'est vraiment efficace, et je vous conseille vraiment de l'acheter si vous voulez commencer des vidéos sur YouTube. Donc il y a une petite pochette avec, et du coup, moi je vais vous montrer juste après la différence entre le son du micro où j'enregistre ma voix à la base avec l'ordinateur et le dictaphone. Vous allez voir la différence. À vous de me dire si vous préférez soit avec le micro normal ou le dictaphone. Vous allez voir, vraiment, il y a vraiment une grosse différence. Le son est pas pareil et ça vaut vraiment le coup. C'est peut-être un peu cher, mais c'est vraiment efficace, j'ai envie de vous dire, pour ce prix. Après, bah c'est sûr, pour bien commencer sur YouTube, tout est cher maintenant, et du coup, bah voilà, si vous voulez bien commencer, il vous faut un bon micro. Et moi, ça va me servir pour faire des vidéos à l'extérieur, ou par exemple, si je fais une vidéo setup ou n'importe quoi, ça va me servir. Je peux avoir mon micro et c'est plus facile. Et du coup, voilà. Donc, je vais vous montrer du coup le son et vous allez voir la différence. À vous de me dire dans les commentaires. Commencer à enregistrer avec. Donc, hop, je pousse mon micro normal. Là, vous allez m'entendre parler tout simplement. Là, le micro de base, il est juste ici, vous voyez, je le mets juste derrière l'appareil photo. Et du coup, vous allez m'entendre quand je vais parler, il va y avoir une différence de son. Et voilà, après, ça reste un bon son quand même, moi je suis content. Donc, on va repasser au micro normal, le micro bah, de l'ordinateur pour l'instant. Donc du coup, c'est bon, vous avez vu la différence au niveau du son. Et c'est vrai, c'est pas vraiment dégueulasse, on va dire, entre guillemets. Ça reste un bon son et moi je suis vraiment content. Donc du coup voilà, pour 130 € c'est un peu cher, mais ça reste un bon son. Et du coup voilà, la prochaine fois j'essaierai de vous faire une vidéo à l'extérieur pour vous montrer vraiment la différence entre le bruit, si on entend des bruits, le vent et tout, bien sûr. Je vous ferai une petite vidéo dessus. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les proposer dans les commentaires. Et du coup, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. Et du coup, moi je vous dis à très vite. J'espère que ça vous a plu. Donc vous pouvez donner votre avis dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Salut tout le monde.